À la une de cette édition, valorisation des produits locaux, la Chambre régionale d'agriculture de l'Est joue sa partition. Elle a organisé du 20 au 23 décembre dernier la première édition des journées promotionnelles des produits agricoles. L'activité s'est déroulée sous le thème « Consommons d'abord ce que nous produisons ». À la une également, semaine régionale du Centre-Nord, c'est une troisième édition qui dévoile les potentialités de la région. Au menu de l'activité, une soirée musicale, des prestations d'artistes, une compétition d'athlètes et même une conférence publique qui montre la nécessité pour chaque acteur de valoriser la culture burkinabé. Voilà, pour le sommaire, Madame, Monsieur, bonsoir. Consommons d'abord ce que nous produisons. C'est sous ce thème que s'est ouverte la première édition des journées régionales promotionnelles des produits agricoles. L'activité est organisée par la Chambre régionale d'agriculture de l'Est en vue de donner une valeur ajoutée aux produits du terroir. La cérémonie d'ouverture avec Mathias Ninkiema et Rasmata Ouedraogo. Des produits de beauté aux produits laitiers, en passant par la volaille, tous made in Burkina, sont exposés à cette première édition des journées régionales promotionnelles des produits agricoles. Des exposants venus des quatre provinces de la région, dans la dynamique d'exposer leur savoir-faire, mais aussi inciter la population à consommer local. Ça, c'est du biscuit, fait à base de pain de seigne. C'est très très bon pour la santé, c'est consommable par tout le monde, enfants comme grandes personnes. Nous avons en tout cas des produits très 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 riches ici au Burkina Faso. Il n'y a pas de produits chimiques dedans, c'est naturel. On n'a pas besoin d'aller chercher encore ailleurs pour venir se nourrir. La Chambre régionale d'agriculture estime que la production locale au Burkina Faso est un secteur promoteur, d'où cette activité de trois jours au profit des populations. C'est la première fois que les producteurs eux-mêmes contribuent financièrement et à l'organisation. C'est une manière de les amener à avoir l'habitude d'organiser eux-mêmes des espaces de promotion de leurs produits. Visites des stands et séances de dégustation sont au menu de ces journées promotionnelles à Fada. L'association Jeunesse Sans Tabac pour le développement de la commune de Namixma est déjà dans cette dynamique de valorisation des produits agricoles, convaincue que la culture maraîchère est une activité capable de répondre aux besoins des jeunes. L'association a entrepris de former pendant 2 semaines 120 producteurs en technique de culture maraîchère. Constantin Ouedraogo et Moussaki. Moustapha Kagone est maraîcher-culteur à Namixma, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Waiguia. Il y a de cela 10 ans que les jeunes hommes pratiquent cette activité, mais ils ignoraient les règles du maraîchage. Après environ 2 semaines de formation axée sur les contours de la maraîchiculture, c'est lui qui nous explique ce qu'il faut désormais faire. Tu aménages le terrain. Tu aménages le terrain, il y a des limites qu'il faut aménager pour que ça soit carré. Après avoir aménagé, c'est les piquets que vous mettez au bord, les quatre côtés. Comme lui, ils sont au nombre de 120 producteurs à bénéficier de cette formation. L'initiative est de l'association Jeunesse Sans Tabac pour le développement de la commune de Namixma. Elle a été financée à plus de 12 millions de francs CFA par le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation et à l'apprentissage. C'est des acteurs qui étaient déjà dans l'activité. Il s'est agi de renforcer leurs capacités pour améliorer la quantité de la production qu'ils font et aussi la qualité. Parce que c'est dans le domaine de la maraîcherie, il faut quand même faire sortir des produits de qualité. C'est le meilleur qu'on travaille ici, puisque quand on met la pomme de terre, vu le marigot là, l'eau là, ça part trop, ça prend pas du temps quoi. La formation là, ça m'a beaucoup intéressé. Le FAFPA a remis du matériel de travail aux producteurs bénéficiaires de la formation. Des bénéficiaires qui souhaitent un accompagnement pour l'écoulement de leurs produits. Environ 80% de taux de réalisation, c'est le bilan des activités du Centre promotionnel rural de Djanga au titre de l'année 2019. Un bilan qui a été présenté à Dori par le Centre au cours d'une rencontre qui a connu la présence des partenaires et collaborateurs. La présentation du rapport avec Brahima Kane et Seydou Zan. Devant ses partenaires et collaborateurs, le Centre de promotion rurale de Djanga présente le bilan de ses activités au titre de l'année 2019. Du bilan, il ressort que le taux d'exécution des activités est satisfaisant. Vous savez que cette année, comme si vous avez suivi un peu la présentation,
Et tous les départements ministériels ont vu leur budget à la baisse. Et malgré tout, le rapport a donné si vous avez vu les taux de réalisation, ça varie entre 77 à 98%. Donc c'est pour dire que quand même, le rapport est satisfaisant malgré les difficultés. Et ces difficultés sont le déblocage tardif de la subvention de l'État, l'insuffisance des compétences pour l'élaboration des plans de passation des marchés publics, le changement périodique des canevas et pas seulement. Il y a la question d'eau pour la production maraîchère qui connaissait Guillaume il y a 5-6 ans. Comparativement à cette année, ça n'a pas répondu en termes de production maraîchère. Parce que là, c'est lié vite au manque d'eau. Alors nous avons soulevé un problème détail qui est que le véhicule acquis par le CPR a été acquis depuis 1995 et jusqu'à 1995 à 2019, vous voyez ce que ça donne. Ça, je ne peux pas ignorer ces difficultés. Le centre de promotion rurale de Diomga lance un cri de cœur au ministère en charge de l'agriculture pour la résolution de ces difficultés afin que le centre puisse continuer de jouer son rôle de formation des jeunes au Sahel. Dans le cadre de ses activités académiques, l'Institut Polytechnique Privé Shalom a organisé une conférence publique placée sous le thème « Jeunesse actrice de paix ». Le conférencier a voulu interpeller les étudiants sur leur rôle en période de crise. Le compte-rendu avec Herman Toué. C'est une conférence organisée par les étudiants de l'Institut Polytechnique Privé Shalom, IPS. L'objectif est d'amener la jeunesse estudiantine à adopter des comportements favorables à la cohésion sociale et au retour de la paix au Burkina Faso. Cette conférence a été organisée dans le seul but d'amener bien sûr la tranche jeune de participer aussi pour ce qui est des questions de maintien de paix ici au Burkina Faso. Quand on voit un peu la situation sécuritaire actuelle, on s'est dit que la jeunesse aussi a son mot à dire. Et bien sûr, la jeunesse aussi doit participer, bien sûr, pour ce qui est du maintien de la paix dans ce pays. Les nouveaux défis sécuritaires au Burkina, le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme sont autant de thématiques abordées au cours de cette conférence. Le conférencier, lui, a interpellé la jeunesse sur sa responsabilité dans cette lutte. Il appartient à la jeune génération de prendre conscience de tout cela, de s'engager pour cela, de travailler main dans la main, de concert avec les forces de défense et de sécurité, de concert avec les politiques, de s'engager auprès des communautés pour qu'ensemble on puisse lutter contre le phénomène. À l'issue de cette conférence, les étudiants de l'IPS espèrent avoir apporté leur pierre à la construction de la cohésion sociale, mais aussi au retour et au maintien de la paix au Burkina Faso. L'Association pour la protection des populations et des établissements, pour sa part, plaide pour une meilleure cohésion entre les différentes communautés de la région de l'Est. Face à la presse, ce 22 décembre à Fada, les premiers responsables de l'association ont aussi décliné leurs objectifs et leur domaine d'intervention. Seydou Ninkiema, Joël Tendabiga et Aruna Maré pour le reportage. La cohésion sociale au centre de cette conférence de presse de l'Association pour la protection des populations et des établissements. L'association plaide pour le raffermissement du vivre ensemble et la fin de toute stigmatisation envers les communautés. Pour la structure, dans ce contexte sécuritaire difficile, l'union sacrée des communautés vivant à l'Est est un atout indispensable pour faire face à la menace. Au nom de l'association ANZ, je demande à toutes et à tous de se pardonner des faits passés et de prôner une union pour mener ensemble cette lutte vers l'émancipation, cette lutte vers la fin du terrorisme, cette lutte vers une nation prospère, cette lutte vers un Burkina meilleur. Après constat peu reluisant sur la situation des déplacés internes, l'association énumère une série de propositions pour le retour des déplacés dans leurs localités respectives. D'abord, c'est la sensibilisation, le dialogue entre les communautés et nous allons aider les forces de sécurité et ensuite, eux aussi vont nous aider. Membre de la société civile, l'Association pour la protection des populations et des établissements souhaite la consolidation des rapports entre les forces de défense et de sécurité, les populations et les groupes d'autodéfense de l'Est.
Dans la région du Nord, et plus précisément à Ziga, dans la commune de Oula, une école est inaugurée par l'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté. Et ce sont trois classes, un bureau, un magasin et un forage qui viennent remplacer des classes sous paillotes. Le point de la cérémonie avec Frédéric Étienne Bassenga. Voilà. Les enfants du village de Ziga, dans la commune de Oula, région du Nord, vont désormais apprendre à lire et à écrire dans de bonnes conditions. L'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté, ABED, vient de remplacer son école sous paillotte par trois salles de classe en dur. Trois salles de classe donc, un bureau et un forage, parents, élèves et enseignants n'ont que des mots de remerciement. Ce n'est pas comparé. Une école paillotte et une école bien construite, ce n'est pas comparé. Vu les résultats, vu même le travail des enseignants, tout change. Donc, c'est avec une joie énorme que nous, en tout cas, rentrons dans cette école-là, une école bien construite. Le président de l'ABEL voit grand pour son pays, lui-même résident en Allemagne. Pour lui, l'État ne peut tout faire, il faut que chacun ajoute sa pierre pour le développement de l'éducation. De l'état de l'école sous paillotte à une école normale que vous voyez, donc il n'y a rien de tel. Donc c'est une façon pour moi, en matière d'éducation, je trouve que c'est très très important. Même nous ne sommes pas ici, je ne suis pas au Burkina, présentement je ne réside pas actuellement ici. Mais je suis vraiment trop attaché à mon pays et j'aimerais bien que l'éducation soit vraiment un domaine qui doit être soutenu par tous les acteurs possibles. La BED ne veut pas s'arrêter à ce geste. Kourbou-Mongo, village de la même commune, verra dans quelques mois ces salles de classe sous paillotte remplacées comme celles de Ziga. ABED est venu à notre secours en nous construisant trois classes qui étaient sous paillotte. Je vous dis que je suis comblé. Je suis très comblé. La commune est très comblée parce que c'est là répondre aux besoins réels de la population. Dans ce même village, un centre de formation équipé d'un forage sera également érigé dans quelques mois par l'ABED. L'espace est déjà délimité. Les travaux vont commencer incessamment. Dans la commune de Loropenir, on célèbre l'excellence en milieu scolaire. Une cinquantaine d'élèves ont reçu des présents pour leurs résultats combien satisfaisants à l'école. En organisant cette journée d'excellence, le comité communal de jumelage de Loropenir entend stimuler l'abnégation chez les enfants. Le compte-rendu porte la signature de Oumarou Sagnon et Ahadi Sandamba. Avec ce vélo, c'est la fin du calvaire pour Dani Reda, élève en classe de 6e. Fini donc la quinzaine de kilomètres qu'il parcourt chaque jour en aller-retour à pied. Donc j'ai quitté à Tchogara, à Obiré, donc ça faisait 7 kilomètres. Et maintenant, comme je sais que je ne vais plus fatiguer de nouveau. Et à certains moments, je suis par exemple en retard. Bien évolué dans les études, c'est d'ailleurs ce qui a motivé le comité communal de jumelage de Loropenir à initier ce prix d'excellence. Dani Reda a été le meilleur élève de la commune rurale de Loropenir au certificat d'études primaires CEP session 2019. C'est à ce titre qu'il reçoit un vélo, un kit scolaire pour la classe de 5e ainsi que d'autres gadgets. Tout comme lui, ils sont une cinquantaine d'élèves issus des deux circonscriptions d'éducation de base CEP de Loropenir à voir leurs efforts récompensés aujourd'hui. Nous avons tenu à organiser ce prix d'excellence au niveau de l'éducation primaire pour magnifier bien sûr l'excellence auprès des tout petits, pour les inviter à encore plus d'ardeur au travail. Par la même occasion, l'ONG Plan Burkina Bureau de Gawa a primé les meilleurs élèves parrainés. Au nombre de 8, eux également ont reçu chacun un vélo et un kit scolaire. La troisième édition de la semaine régionale du Centre Nord bat son plein depuis le 22 décembre entre conférences publiques, exposition de produits locaux, soirées musicales et prestations artistiques. La semaine régionale du Centre Nord fait découvrir les potentialités de la région. L'ouverture de l'événement avec Souleymane Sawadgo et Jacques Lamissa Tarpaga. Le Centre Nord est meurtri, mais le Centre Nord reste debout. Le président du conseil régional le clame haut et fort. Et pour en donner la preuve, la troisième édition de la semaine régionale du Centre Nord est organisée cette année. Notre région a connu de grandes difficultés sur le plan sécuritaire et il a fallu donc, les acteurs de la région ont décidé ensemble
d'organiser une semaine pour faire en sorte que nous puissions nous retrouver autour donc d'un certain nombre d'activités, activités sportives, activités culturelles, une conférence, pour que l'on sache qu'au Centre Nord, nous continuons à vivre malgré les contextes difficiles. Les fils et les filles continuent à se battre. C'est encore le Centre Nord est une région fréquentable. Des soirées musicales et des expositions vente des produits locaux sont au programme. Il s'agit surtout de valoriser les potentialités de la région pour un développement durable. Il est important de souligner que la culture est le ciment de notre développement, est le ciment de notre pays. Sans culture, nous n'avons pas d'identité. Et un pays sans identité est un pays qui est voué à la ruine. Donc, il est éminemment important que nous puissions accorder une place de choix à la culture et faire de telle sorte que la nouvelle génération, surtout la jeune génération, puisse prendre à bras le corps notre culture. La semaine régionale du Centre Nord est couplée avec la semaine régionale de la culture pour désigner les représentants de la région à la SNC 2020. Plus d'une centaine de troupes de danse, de chant et d'athlètes prennent part à la compétition. Voilà qui referme cette édition de 19h. Merci de votre attention. Le 20h avec Peggy Ouedraogo. Bon début de week-end à tous en compagnie des programmes de la RTV.